Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 14 février, toutes les semaines à partir du lundi 14 février. C'est la Saint-Valentin. Et j'en souris tout seul parce que bon, c'est plutôt des bonnes énergies. Hein. Moi, j'ai plus tendance à regarder ce qui fonctionne. Donc, je vais vous faire l'horoscope de la semaine, comme j'aime le faire, hein, positiver tout ce qui fonctionne. Et puis, à la fin, je vais essayer de vous garder une petite séquence pour faire le tour des 12 façons d'aimer. Des 12 façons d'aimer. Vous allez voir que je pense que c'est inattendu. On a tous une façon de vibrer complètement différente. Et ça me paraît assez amusant, assez sympa, assez intéressant de mettre l'accent là-dessus. Voilà, ouais, vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de ce lundi 14 février? Avant tout, le soleil, principe de vitalité, de lumière, d'énergie positive. Hein, tout ce qui met en lumière, en général, ça éclaire l'ensemble et puis ça permet d'avoir une visibilité plus lucide. J'aime bien. C'est pour ça que j'aime bien les influx solaires là-dessus. Et le soleil amorce la semaine à 25 degrés du Verseau. Le soleil va rester en Verseau jusqu'au vendredi 18, donc encore 4 jours pour mes signes d'air, avant qu'il n'entame son périple dans le signe des poissons. À partir de vendredi 18, 16h44 en temps sidéral, on rajoute 51 minutes ici pour Paris, par exemple, hein, ou une heure en gros en vrac. En gros, vendredi fin d'après-midi, le soleil passe en poisson, pour faire court. Alors, comment ça démarre? Soleil, principe de force, d'énergie, de vitalité, d'énergie positive, hein, voir le bon côté, les mises en lumière, pour qui? Jusqu'à vendredi fin d'après-midi, donc hein, une grosse partie de la semaine. Pour mes signes d'air, vous êtes encore gâtés, vous êtes encore les vernis en quelque sorte de cette configuration céleste, avec une très belle énergie positive de communication, d'expansion, de l'échange et du lien, parce que c'est de votre force mes signes d'air, pour mes Verseaux, mes Gémeaux, mes Balances, mais pas que, mais pas que. Si mes signes d'air sont favorisés, si une planète est dans le signe du Verseau, hein, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des 120 degrés avec les autres signes d'air, bien évidemment. L'air protège l'air, alimente l'air, nourrit l'air, crée une fluidité, un courant, plutôt porteur, hein, par principe. Mais également pour les deux signes en amont et en aval, qui leur sont, sous une certaine forme, leur complément. Hein, air et feu, ça marche bien en général. Donc, qui sont les... gâtés également au niveau des influences de cet astre solaire en Verseau, ce sont mes béliers et mes... Sagittaire, vous cinq, jusqu'à jeudi, la spirale est heureuse, vous avez toutes les cartes en main au niveau de la fluidité relationnelle, c'est solaire, donc c'est social, pour vous caler des objectifs, avoir une visibilité plus globale, avoir une sorte d'aptitude à prendre du recul, avoir les choses du bon côté, hein. Vous êtes vraiment, vraiment les gâtés, vous cinq, pour ce début de semaine, et notamment pour ce lundi 14 février. Avec tout ce qu'on y a de joint comme coloration émotionnelle dans l'air. Voilà, c'est dit. Vous êtes vraiment les vernis. Voilà. Ensuite, à partir de vendredi, le ciel change. Le ciel change, ça veut dire que le plus gros morceau du ciel, hein, c'est nous, vu de la Terre, on voit le soleil qui change d'angle, tout simplement, parce qu'on évolue en fonction de lui. Et donc, on arrive à une configuration solaire qui est dans le signe des poissons. Ça rentre en poisson. Donc, à partir de vendredi, on change complètement la donne. Déjà, mes lions, vous allez souffler, parce que l'opposition du soleil s'en va. Donc, bah, allez mieux, hein, ouf. On va aller beaucoup mieux. Tout doucement, ça arrive. Mes lions, ça appartient de Mars, qui est des trucs super qui vous attendent. Mais patience, patience, patience. Je sais que je vous gâte pas trop en ce moment, mes lions, mais j'y peux rien. Partons du postulat que le ciel est neutre, ça arrive, c'est comme ça. Je ne vais pas inventer les planètes. Attendons que ça soit bon, mais quand ça sera bon, je vous assure que j'aurai plein de choses particulièrement heureuses à vous raconter. Mais ce n'est pas encore le cas. Il faut se faire une raison, c'est comme ça. Et c'est parlé pour mes lions. Après, à partir de vendredi, entre le soleil en signe d'eau, donc à partir de vendredi et pendant, pouf, 3-4 semaines au moins, hein, ceux qui seront gâtés, vernis, protégés par les influences solaires vont être mes signes d'eau. À partir de vendredi, donc, hein, fin d'après-midi, mes poissons, mes scorpions, mes cancers, et les deux signes à 60 degrés en amont en aval, à savoir mes capricornes en amont et mes taureaux, en aval, vous cinq allez rentrer dans une phase particulièrement
productive, positive, constructive, de lucidité, d'enjeux qui se redessinent, de visibilité, on va dire, on va espérer plus clair sur ce qu'on veut, sur la dynamique vers laquelle on tend, vers les caps qu'on se fixe. J'aime bien la notion du cap qu'on se fixe, hein, pour avoir quelque chose dans le collimateur. Plus on a un truc à atteindre dans le collimateur, plus les contrariétés du quotidien se réduisent en intensité. Et si ça se réduit en intensité, on gère ça avec plus de facilité, on se concentre sur l'objectif à atteindre, ce qui est très global. Une méthode que j'affectionne tout particulièrement, c'est dit. Ça, c'est pour le grand courant solaire. Mais en parallèle, nous sommes, là, j'en souris parce que c'est vrai que la Saint-Valentin, c'est des choses qui nous font écho. Il y a toujours des planètes en Capricorne et pas rien, toujours le même, toujours les trois là. Mais il va y avoir une évolution, vous allez voir. On amorce la semaine avec Mercure à 29 degrés du Capricorne. Mercure, le mental, excellent, vous allez voir pour mes signes de terre, il y a plein de trucs. L'intellect, hein, le lundi jusqu'à 22h, ça fait 23h quand on fait des rectifications horaires. Donc lundi toute la journée, mes signes de terre au niveau du mental, ça fonctionne hyper bien. Communication, mise au point, clarification, événements factuels, concrets, pratiques, votre intelligence redoutablement concrète et particulièrement opérationnelle lundi toute la journée. On termine ce cycle, hein, il y a depuis quelques temps, mais là on le termine. Donc s'il y a des choses à faire aboutir, des signes de terre, lundi c'est une très bonne journée pour ça, très globalement. À partir de mardi, enfin lundi soir 23h, donc à partir de mardi et tout le reste de la semaine, Mercure, le mental de la communication, retourne dans le signe du Verseau. Il a fait un peu des jeux d'élan et de retour sous la forme de marche directe et de marche rétrograde depuis quelques temps. Et là, il repart, Mercure repart en Verseau. J'aime la présence de Mercure en Verseau. Je l'aime encore mieux en Capricorne, très pragmatiquement, parce que, ayant moi-même un Mercure en signe de terre, les Mercure en signe de terre, il y a une façon d'analyser les situations qui est très simple et très pratique. Donc, voilà. Mais en Verseau, il gagne en ouverture d'esprit, en profondeur de pensée, en créativité, en disposition à philosopher, à échanger, à conceptualiser, à être créatif, à être ouvert d'esprit. C'est vraiment la qualité fondamentale de cette configuration-là. Mercure, le mental, l'intellect, va donc alimenter, nourrir pendant un bout de temps encore, à partir de mardi. Donc, attention, qui sont les gagnants sur le plan du mental, de l'intellect, de la communication, de l'expression, de la fluidité oratoire? Ça va être mes Verseaux, c'est chez vous que ça se passe, toujours plus puissant quand on a la planète chez soi. Mes Gémeaux, hein, vous, Mercure, c'est votre planète maîtresse, donc le mental, l'intellect, la rapidité à assimiler, c'est votre truc. Donc quand Mercure veut du bien, c'est encore plus vif, encore plus rapide, encore plus dynamique, encore plus créatif pour vous. Formidable, quand le Mercure est là, l'intellect fonctionne à 100 à l'heure, quoi. Et puis mes Balances, hein, vous qui avez cette délicatesse oratoire, ce côté poétique dans l'expression, quand on est né avec Mercure en Verseau, cette douceur du verbe, cette finesse d'esprit. Hein, voilà, je les gâte mes signes d'air en ce moment parce que Mercure veut du bien. Et puis j'aime bien, moi, le communiquer avec les signes d'air, c'est facile, hein, parce qu'il y a une sorte d'ouverture naturelle, globalement, encore une fois. Donc, excellent pour vous trois, mes signes d'air au niveau de la com, de l'échange, d'être sur la même longueur d'onde. Et puis, encore une fois, quand une planète est en Verseau, hein, je fais bis repetita avec tout à l'heure, veut du bien sur le plan de la communication à mes béliers et à mes sagittaires. Hein. Mes béliers, comment dire les choses sans être trop direct? En trouvant le bon angle, ça impacte beaucoup mieux. Et mes sagittaires, dans votre chaleur, franchise naturelle et proverbiale, quand on met la petite rondeur dans les rouages pour que le message passe, eh bien, il est mieux perçu. Donc, il n'y a que des gagnants dans ces histoires-là. La période est bonne pour la communication, pour vous cinq. Allez, maintenant, on rentre dans le cœur de la problématique avec Vénus. Vénus, actuellement, étant Capricorne, plein milieu du signe, donc maximum de son intensité au milieu du signe. Vénus est à 15 degrés du Capricorne. Alors, si on raisonne sur un plan purement cœur et affectif, l'enjeu de cette semaine, enfin, symboliquement bien évidemment, hein, c'est un épiphénomène, la Saint-Valentin, mais c'est l'excuse pour en parler. Vénus, 15 degrés Capricorne, veut du bien sur le plan tactile, hein, cette Vénus en signe de terre, cette Vénus fécondante, constructive, pragmatique, solide, qui s'enracine, qui s'investit avec le temps. Faut jamais me les brusquer, mes Vénus Capricorne. Elles ont bien besoin de sentir, d'être en confiance, de sentir que c'est fiable, que c'est du solide, hein, avant de se lancer. Et puis une fois qu'ils sont engagés, ils sont d'une fiabilité à toute épreuve, donc c'est pour ça qu'ils sont aussi prudents, je pense, en général. Bref, Vénus en Capricorne veut du bien sur le plan du
pur charme, de la pure délicatesse. Hein, c'est pas mal, ça m'arrondit le côté guerrier et courageux frontal du Capricorne. Vénus chez vous, ça vous donne plus de charme. Mais pas que. Si Vénus est en Capricorne, elle veut aussi du bien à mes autres signes de terre, du coup. Hein. Comme il y a Mars en plus dans le même coin, Vénus et Mars sont conjoints. Hein. Vénus l'amour, Mars l'action. Quand on mixe les deux dans le ciel, ça réactive une sorte de petit élan de passion, de chaleur, d'élan, de désir parfois aussi. C'est pas mal Vénus-Mars dans le ciel, ça dynamise un peu Vénus et puis ça arrondit un peu Mars. Les deux se marient en conjonction, c'est assez intéressant au niveau du résultat. J'y arrive, j'accouche encore une fois de mon raisonnement. Les gagnants sur le plan purement charme et affectif, qui sont-ils? Ça va être mes Capricornes, mes Vierges, mes Taureaux, mes Poissons et mes Scorpions. Si on raisonne purement tactile, purement charme, vous cinq êtes dans les meilleures dispositions possibles pour aimer et en retour être aimé. Parce que plus on arrondit, on met de la rondeur sur le plan émotionnel, bah plus ça marche, plus ça fonctionne, plus l'écho en général fonctionne et est de qualité et rassurant. Et voilà, puis on peut se détendre. Et quand on est détendu, tout ce qui touche à l'affect fonctionne mieux. Hein. Il y a les principes actifs, Mars, et puis il y a les principes affectifs. Le premier nécessite de l'énergie, de la vigueur, mais le deuxième, jamais, quoi, hein, ou le moins possible. Plus on est dans le rond, plus on est dans le doux, plus on est dans l'absorption, plus ça fonctionne, parce que plus on se rapproche, tout bête. Voilà, c'était l'idée de ce ciel. Je ne vais pas vous faire toutes les planètes lentes cette semaine. Je vous ai fait une pleine lune en plus en parallèle, parce qu'il y a une pleine lune qui arrive mercredi 16, là, à 28 degrés dans l'axe Lion-Verseau. Je vous ai fait tout un roman sur le truc. À 17h en temps sidéral, ça fait 18h chez nous. Mercredi soir, pleine lune. Bon, elle est un peu. Elle n'est pas dramatique, quoi, hein, mais elle est un peu tendue quand même. Allez, je vais terminer par Vénus dans les signes. Vénus dans les signes, c'est un. Il faut avoir en tête, il faut avoir en tête une info globale. Hein. Vous vous souvenez de mon approche, une carte du ciel individuelle, c'est comme un orchestre. Il y a un chef d'orchestre qui est le Soleil, il y a, chaque planète a un rôle de musicien, et tout ça doit faire une harmonie, une sorte d'organisation fluide entre les talents de chacun pour en optimiser ce pourquoi ils sont faits en fait. Hein. Mercure la com, Vénus l'amour, Mars l'action, Jupiter l'expansion, le positif, Saturne les garde-fous structurants, Uranus la créativité, Neptune le ressenti, Pluton les mécaniques archaïques défensifs de survie, et ainsi de suite. Hein. La Lune les émotions bien évidemment. Chacun a un rôle en fait, donc chacun doit jouer sa part de la partition. Chacun doit jouer sa partition. Avec le plus ou moins de facilité. Le but du jeu c'est d'harmoniser tout ça. Allez, Vénus dans les signes, vite fait. Il y a quatre catégorie de Vénus pour globaliser. Vous avez avant tout, alors retenons bien que notre signe solaire n'est pas toujours dans le même signe que l'endroit où était Vénus à notre naissance. Il y a une chance sur trois, en fait, en général. Hein. Par exemple, quelqu'un qui est né sous signe du Bélier, très globalement, hein, à 99%, aura, s'il a le Soleil en Bélier, Vénus qui va être un maximum d'orbe de 48 degrés, jamais plus de 48 degrés. Donc, si le Soleil est en Bélier, Vénus va être en Poisson, en Bélier, en Taureau. Basta. Après, il y a quand sortie du signe, parfois bon, 1% des gens ont une Vénus de signe plus loin, mais parce qu'on est dans l'orbe des 48 degrés. Mais bref, donc on a une chance sur 3 d'avoir Vénus dans le même signe que notre signe solaire. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir sa carte du ciel. Il y a des signes gratuits qui font ça maintenant, mérite d'aller voir où est Vénus à la naissance. C'est hyper instructif de savoir qu'on n'est pas systématiquement construit sur le principe d'un objectif conscient, de la même façon que la Lune va être dans un signe différent 11 fois sur 12, et ben Vénus va être une fois, deux fois sur 3 dans un signe différent de notre signe solaire. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir le tempérament de son signe solaire qu'on connaît, mais on peut avoir une façon d'aimer qui est différente. C'est ça qui est sympa. Hein? Donc, c'est intéressant de savoir. Par exemple, moi, je suis de la Vierge, hein, mais je suis né avec une Vénus en Balance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? C'est-à-dire que, au niveau de l'analyse, j'essaie d'être pratique, factuel, concret, etc. Mais au niveau de la façon d'aimer, je vais avoir besoin de beaucoup plus de souplesse, de douceur, de délicatesse, parce que le truc ne s'harmonisera que à ces conditions-là. Voilà, c'est tout bête. Hein. Donc, sachant où est notre Vénus, ça m'arrive de la calculer. Tout ça pour vous dire. Vénus en signe de feu donne des tempéraments passionnés, sanguins. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire, il faut qu'il y ait de la passion, il faut que ça soit puissant. Vénus en signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, sont des Vénus qui ont besoin d'être pratiques, pragmatiques, dans le calme, dans la construction, dans la solidité. Il ne faut pas me les précipiter, il faut les rassurer. Hein. Puis ils sont plus tactiles, en fait, tout simplement. Les Vénus en signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sont des Vénus qui sont davantage sur l'humain, sur la qualité du rapport humain.
Une Vénus Gémeaux a besoin d'intellectualiser l'échange, une Vénus Balance a besoin de douceur, et une Vénus Verseau a besoin d'amitié amoureuse. Vous voyez, c'est formidable. J'aime beaucoup les Vénus en air, parce qu'intellectuellement, ça fluidifie, et puis c'est agréable à gérer sur le plan humain. Et puis vous avez les Vénus en signe d'eau, hein, que ce soit Cancer, Scorpion et Poisson, qui sont des Vénus qui sont complètement dans l'émotion, dans le ressenti, dans la densité du feeling, de besoin de se fondre dans la relation à l'autre, besoin de s'imprégner fortement dans des relations d'amour, parfois idéalisées, qui révèlent en général une profondeur, une densité du ressenti qui est plus marquée, tout simplement, parce que les émotions sont plus affleurantes. Donc c'est intéressant de voir où est notre Vénus à la naissance. Hein. Bélier, je vous fais vite fait, c'est un peu fonceur. Lion, on cherche vraiment quelque chose qui mérite d'être aimé. En Sagittaire, c'est l'élan spontané, envie de faire des trucs avec l'autre, d'être actif. Hein. En Taureau, Vénus Taureau, c'est je m'enracine dans le plaisir. En Vierge, c'est oh là aussi j'ai un grand besoin de communiquer, hein, parce que c'est un signe mercurien. En Capricorne, on construit sur des bases solides, on plante des chaînes dans le sol. Les Vénus en air, maintenant en Gémeaux, c'est hyper génial sur le plan du mental et de la com. En Balance, ben, c'est ceux qui ont énormément besoin d'amour, faut être clair. En Verseau, c'est le respect de la liberté de l'autre, c'est magique. Sur le long terme, ça marche très bien, les Vénus en Verseau. Hein. Mettre du temps pour ne pas se faire envahir, mais une fois qu'ils sont stabilisés sur de l'amitié amoureuse, ça marche super. Après, les Vénus en signe d'eau, Vénus en Cancer, c'est l'attachement au sien, grand Dieu. Fouf, c'est des câlins, des mères poules. Les Vénus en Scorpion, c'est un besoin de passion des Vénus Scorpion. Il faut faire gaffe à ne pas jouer trop avec le feu. Mais en tout cas, le passionnel est puissant. Mais Vénus en Poisson, la quintessence du charme, de la délicatesse, de l'altruisme, de la gentillesse. Parfois, un peu d'imagination, il ne faut pas qu'il y en ait trop, mais dans tous les cas, c'est extrêmement, particulièrement attachant. Voilà, c'est dit. C'était un petit tour comme ça, je voulais vous faire ça hein, pour cette Saint-Valentin, c'est l'occasion de faire un petit tour sur Vénus. Super, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos bonnes énergies, pour vos gentils commentaires. On se dit à très vite. Merci beaucoup.